Donc, alors, je vais vous parler d'un groupe modeste en taille, mais qui laissera une mémoire longue, souterraine, peu connue en règle générale en France, celui donc de l'intervention des Quakers, donc ce qu'on appelle les Amis américains pendant la Première Guerre mondiale en France. Donc ici, la communication, là, je ne me pose pas la question pour eux, elle est évidente. Je suis le gardien de mon frère, je suis celui qui va veiller sur lui, je ne me pose même pas la question pour les Quakers. Et vous allez voir également pour quelles raisons. Je sais pas. Ah, merci, c'est l'autre. Merci. Donc alors, d'abord, en introduction, qui sont les Quakers, donc également appelés la Société des Amis. Il s'agit donc d'une dissidence non conformiste du puritanisme anglais, menée par la personne de John Fox au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui les caractérise? Une absence de credo, et non plus pas d'église, pas de pasteur, mais des valeurs qui sont nettement affirmées, refus des serments, et vous voyez tout ce qui peut en découler. Égalité parfaite, notamment hommes et femmes, ce qui est très novateur à l'époque, pacifisme, et qui va devenir un pacifisme intégral, honnêteté et simplicité, ce qui, alors là, c'est un clin d'œil aussi à notre précédente session, c'est-à-dire qu'on va les voir très souvent dans le monde des affaires, dans la banque et dans l'entreprise. Alors, ces amis, ils sont présents encore dans les îles britanniques, beaucoup aux États-Unis et notamment à partir de la Pennsylvanie, qui est le lieu où William Penn donc, a installé la colonie Quakers, avec un projet Quakers. Donc il y a eu des précédents d'intervention, notamment en France, des amis, et c'était notamment lors de la guerre franco-prussienne, une intervention très importante dans la moitié nord de la France. Un symbole qui sera adopté à ce moment-là, qui va continuer à l'être pendant la Première Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, donc l'étoile à 8 branches, qui est utilisée donc par les Quakers britanniques en 1871-72. Alors, leur action, elle va commencer dès octobre 1914. On va voir plusieurs centaines de Quakers britanniques venir en France, agir. Mais moi, je vais m'intéresser plutôt aux Quakers américains. Jusqu'alors, ils sont peu intervenus à l'étranger. Ils commencent à titre individuel et puis de manière plus collective à partir de l'entrée en guerre des États-Unis. Alors, vous voyez aussi l'indication d'un site que je vous recommande vivement d'aller visiter, celui de l'American Friends Service Committee, avec un certain nombre de documents qui ont été mis en ligne et de témoignages aussi sur la Première Guerre mondiale. Les documents que je vais vous présenter proviennent essentiellement de leur collection, et j'ai souhaité également mettre en valeur ces collections qui sont très peu connues parce qu'il n'y a pas d'inventaire qui en a été fait, c'est-à-dire qu'il y a un archiviste qui connaît magnifiquement ces collections, mais il n'y a pas d'inventaire, et donc pas d'inventaire en ligne. Il faut y aller. Alors, donc l'entrée en guerre des États-Unis, elle va poser problème pour ces Quakers, mais pas simplement pour eux, pour tous ceux qui appartiennent à ces églises de la paix, aux Peace Churches américaines, notamment les Mennonites, les Amish, que vous connaissez peut-être aussi. Bon, tous ces groupes qui appartiennent à ces Peace Churches et qui sont totalement pacifistes. Donc, en avril 1917, la Chambre des représentants et le Sénat votent la loi instituant le draft, donc la conscription, et c'est la première levée, le premier appel de la conscription. Dès le 30 avril, vous avez deux personnages importants de la communauté Quakers américaine, c'est-à-dire Rufus Jones, qui va jouer un rôle fondamental jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, et puis Henry Cadbury,
qui vont demander à une audience au président Wilson. Alors Cadbury, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. Cadbury, c'est les biscuits, les chocolats Cadbury, et c'est bien la même famille. C'est une famille de Quakers britanniques, et il y a une branche aux États-Unis. Henry Cadbury, lui, est un théologien. C'est un professeur de théologie et qui enseigne dans un collège Quaker très connu des environs de Philadelphie à Haverford. Donc ils vont rendre visite au président Wilson et il lui propose d'organiser un service complètement civil des amis américains en France, et donc de prendre en charge leur objection de conscience et le fait qu'ils ne vont pas combattre, mais qu'ils vont avoir un service civil en France. Alors, donc, cette proposition, elle va être en fait acceptée, et le président Wilson signe en mai 1918 deux textes de deux lois, dont une qui s'appelle le Selective Service Act, qui n'interdit pas explicitement d'enrôler les membres des Peace Churches, mais qui laisse ouverte la possibilité pour qu'ils soient enrôlés et assignés à des services non combattants. La définition également du service non combattant est laissée à l'appréciation du président des États-Unis, et le président va demander à une commission de définir. Et dans cette commission, il y a quelqu'un, par exemple, qu'on va retrouver pendant très longtemps, qui est Walter Lippmann, qui appartient à la commission qui va définir ses missions. Alors, ce ne sera pas toujours facile de faire admettre à l'armée américaine qu'elle a devant elle de vrais objecteurs de conscience. Dès mai 1917, Cadbury organise à Haverford une sorte de camp d'entraînement pour ces jeunes qui pourraient partir dans le cadre de ce service civil en France. Et donc vous avez ici cette première unité. Alors, je vous montre également quelques documents là que j'ai pris dans les archives à Philadelphie, qui vous montrent donc un jeune homme qui est concerné par le premier appel, donc par le draft, qui doit donc s'enregistrer. Et puis qui doit passer, et ce n'est pas du tout évident, hein, il doit passer devant plusieurs commissions pour finalement donc bénéficier des dispositions permettant de ne pas combattre et d'entrer dans le cadre d'un service civil. Alors, ces dispositions, tous les Quakers n'arriveront pas à en disposer. Et puis les Amish, les Mennonites, alors eux ne sont pas vraiment concernés. Ils ne s'engagent pas véritablement dans ces missions à l'étranger. Et le plus souvent, ils seront emprisonnés pendant la durée de la guerre. Donc ça, c'est un autre cas, enfin plus général, qui est celui de l'objection de conscience et de son traitement pendant la Première Guerre mondiale. Donc ici, voilà, on a ce jeune homme, ce jeune Quaker, qui réussit, qui parvient à passer ces étapes. Et puis on a là donc un document de l'American Friends Service Committee, et donc qui atteste que notre jeune Quaker peut partir en France et qu'il participe du programme. Et donc dans les noms de cet American Friends Service Committee, donc qui est constitué à ce moment-là et qui rassemble en fait l'ensemble des groupes Quakers installés aux États-Unis, on va retrouver donc sur la liste de gauche des gens comme Cadbury, que vous voyez en dernier, c'est le dernier nom, Rufus Jones, etc. Bien, alors, donc là, on va suivre pendant un premier temps quelques-uns de ces étudiants partis d'Haverford. Et donc, les Quakers documentent énormément leur mission et ce qu'ils font. Ils écrivent beaucoup et on a donc des documents
comme ces rapports de voyage, donc ces scrapbooks qui sont très pratiqués aux États-Unis. Et là, donc, c'est celui de la première unité d'Haverford. Alors, il s'embarque sur un navire, il s'embarque sur le Rochambeau. Et donc, vous voyez ici une photo de l'équipe qui leur apprend le français. Vous noterez la présence d'un matelot de la Transat, de la Compagnie Générale Transatlantique, ici, sur la gauche. Au programme, bien sûr, beaucoup de cours de français. Il est extrêmement important qu'ils puissent être en communication avec les populations qu'ils vont rencontrer. Il s'agit quand même d'une mission. Le temps du voyage sert également à définir cette mission que ces jeunes hommes. Alors, il y a aussi des femmes volontaires. Il y a beaucoup de femmes dans le mouvement Quaker et beaucoup de femmes extrêmement, enfin, qui partent dès 14, et puis certaines partent en Russie. Enfin, ça, c'était encore une autre affaire, mais c'est très original aussi dans le mouvement Quaker que l'engagement des femmes. Et donc, ici, vous avez donc une sorte de discours de cohésion qui est rapporté dans le journal de bord de l'équipe. Je vous traduis quelques éléments donc pour ces ici donc ils ont besoin de témoigner de leur engagement, qui est un engagement qui se place dans le temps long. Qui ressemble à celui également de des Britanniques, c'est-à-dire d'aller aider une nation sœur. Ils rappellent qu'ils sont ces héritiers donc de la liberté de conscience dans le monde, qu'ils vont venir en France parce qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent absolument agir, qu'ils ne sont pas partis en espérant une vie meilleure. Ni plus facile que les combattants, ce qui est un point très important pour eux, et qu'ils ont choisi une autre voie, et qu'ils sont prêts à un travail, au travail le plus dur et le plus humble. Que leur sang n'est pas moins rouge, et leur patriotisme pas moins réel que ceux qui vont combattre sur les champs de bataille. Qu'ils sont conscients qu'ils sont les serviteurs d'un seigneur au-dessus des nations, un seigneur de l'amour, et qu'ils se sentent donc dans l'obligation de vivre selon son exemple et selon son évangile. Cela dit, ils disent, voilà, nous n'allons pas parler davantage, nous allons nous mettre au travail et montrer par notre action notre bonne volonté, et ce, dans cette période terrible. Également un élément intéressant sur cette page, ils soulignent qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont d'abord les invités de la France, et qu'ils ne sont pas là ni pour moderniser, j'aime bien le terme moderniser, ni pour changer la France, mais ils soulignent qu'on n'est pas là pour moderniser, mais pour aider. Et nous avons une responsabilité, personnelle, et de témoigner également au nom de tous les amis. Donc ça, c'est cette déclaration de principe. On écrit beaucoup. George Downing écrit à sa mère. Alors il écrit du Rochambeau, mais voilà le type de document que vous pouvez trouver dans les archives de Philadelphie, donc des archives de la FSI. Ils ne savent pas très bien quelle mission ils vont concrètement remplir, même s'ils ont été en partie préparés, ni la vie qu'ils vont avoir sur place. Et ici, ils reçoivent un message des Quakers britanniques, donc qui se sont engagés beaucoup plus tôt. Et ces Quakers britanniques leur disent, vous allez parfois être envoyé dans de petits villages avec une tâche humble, et vous allez vous ennuyer.
Vous allez être loin des tumultes de la guerre, mais ces tâches humbles, il faut les accepter. Ou alors, vous serez dans les lieux les plus dévastés de la misère. Il vous faudra soutenir ce que vous allez voir. Et puis, il y a également ici un dernier paragraphe qui est dans lequel ils avertissent également leurs collègues américains qu'ils vont rencontrer une population française qui a des mœurs et une culture très différente de la leur, très différente déjà des Britanniques, mais sans doute encore plus de la leur, et qu'il va falloir qu'ils s'adaptent aux usages, aux habitudes, aux us et coutumes de cette population française. Donc qu'ils fassent qu'ils soient en mesure d'avoir cette interaction culturelle, et c'est un point donc important. On suit toujours George Downing. Donc vous voyez qu'il était sur le Rochambeau le 25 juin. Hein. Donc il a en 1917. Donc il arrive très. Enfin, ses premiers Américains de la FSI arrivent très très vite. En même temps que les premiers militaires. Hein. Et on le suit donc toujours de très longues lettres à sa mère, extrêmement intéressantes. Et à Paris, on leur demande de visiter un certain nombre d'expositions, notamment aux Invalides. Alors il raconte ce qu'il voit, il est sensibilisé avec l'armement, avec les destructions. Il y a des expositions qui sont organisées pour les visiteurs, pour qu'ils aient conscience également des désastres de ce qu'entraîne le nouvel armement de la Première Guerre mondiale sur les corps. Voilà. Il raconte également à sa mère, vous avez un petit insigne ici, à quoi ressemble un aéroplane allemand, donc qui a été abattu. Donc il montre l'insigne. Il visite également autre élément. Il visite Paris. Il visite Notre-Dame. Et lui ne se dit pas impressionné par l'architecture. Alors il faut comprendre aussi ce que ça représentait pour un Quaker que cette architecture très grandiose d'une cathédrale. Bon, et puis il explique toujours à sa mère comment on va reconnaître l'action de ces Quakers américains sur le terrain par des brassards, par l'adoption donc de l'étoile, par des petites badges qu'ils vont porter, etc. Alors ils ont un emploi du temps, ils sont très encadrés, et ils ont un emploi du temps donc dans lequel les cours de français, donc là aussi, sont très importants. Ils sont envoyés ensuite, après quelques semaines, sur le terrain. Quels sont leurs domaines d'intervention? L'aide médicale, les secours, la reconstruction dans les zones qui ont été libérées, l'amélioration de l'agriculture et la reconquête de terres, les transports. Ces jeunes de Haverford, donc on les voit, ils vont être envoyés dans la Somme, c'est le cas de Downing que l'on a vu tout à l'heure, dans la Marne, et donc vous voyez leur nom. Toujours donc dans leur témoignage, ils prennent beaucoup de photos, et vous voyez ici des ateliers, notamment des ateliers de fabrication de menuiserie, et puis des hôpitaux ou des cliniques. Action pour cette première organisation très importante dans le cadre de l'aide alors aux victimes et aux rapatriés, également aux réfugiés. Et vous voyez ici l'organisation autour d'un hôpital qui va s'installer dans la Marne, qui est l'hôpital de Sermaize, et qui est un hôpital qui est construit et aménagé en grande partie donc par les Quakers américains, et qui surtout et les consultations sont données par les médecins Quakers, et notamment le professeur Babbitt. Donc ils sont également mis à la disposition de la population locale, donc c'est ce que l'on voit ici dans le nombre d'actions. Il y a beaucoup de témoignages de leur action, et puis ils ont pu également agir avec donc les Quakers britanniques et avec la Croix-Rouge, mais attention, pas la branche militaire de la Croix-Rouge, uniquement les aspects civils de la Croix-Rouge.
On a également d'autres témoignages. Cette fois-ci, c'est un témoignage individuel, donc de quelqu'un ensuite qui a légué son journal à Philadelphie. Et donc, qui montre également, là aussi, c'est très intéressant, il arrive en 18, donc il est en 18-19 en France. Il témoigne également de son rôle à l'égard des prisonniers allemands. Donc, on le suit. Et lui, il participe à la construction de maisons. Alors, ce sera un point très important, donc de maisons préfabriquées. Pour cela, il y a une usine de fabrication à Dole, dans le Jura. Il participe, ça c'est un autre document, mais vous voyez, à ces constructions de baraquements qui vont servir aux réfugiés, notamment. Et bien, comme vous le savez, ces baraquements vont durer en fait des dizaines d'années. Hein. Et là, c'est aussi une méthode purement américaine. Ils arrivent avec leurs plans, pas avec le matériel est français, hein, mais les plans sont américains. Ils ont laissé aussi un témoignage en français et en anglais que vous trouvez sur le site de la FSE et qui s'appelle L'Équipe, et dans laquelle la moitié des documents sont en français et l'autre en anglais, et qui permet aussi de suivre l'esprit de cohorte de ce premier groupe. Hein, il y en a eu d'autres. Bon. Voilà d'autres exemples, hein, de maisons qui ont été construites en 18-19 dans la région de Besançon. Ils ont laissé des traces et des documents, notamment de celui-ci qui s'appelle Reconstruction, et qui était pour la première période. Et dans le détail, vous voyez tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez, on n'est pas dans la grande philanthropie, parce que bien entendu, tout cela est financé par les Quakers eux-mêmes. Hein. Donc, on n'est pas dans de la grande philanthropie, on est dans de la petite philanthropie, mais dans une philanthropie qui va durer. Alors, une fois que leur action est terminée, une fois qu'ils estiment qu'ils ont conduit leur tâche à bien, les Quakers se retirent. Ils ne sont pas prosélytes du tout. Donc, ils laissent tout et ils partent. Donc, voilà pour une des raisons qui est ici pour lesquelles il n'y a si peu de traces d'eux. En revanche, ils vont organiser un centre Quaker international à Paris, qui va avoir un rôle absolument majeur dans les années 20, dans les années 30, qui va prendre en charge des réfugiés pendant la guerre d'Espagne, qui va prendre en charge également beaucoup de réfugiés allemands dans les années 30. Et donc, ces Quakers, leur présence en France, elle est discrète, mais elle est bien réelle, et elle est bien réelle jusque dans les années 1950. Et ils participent aussi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au déblaiement, et à l'aide de villes dévastées, quand notamment Saint-Nazaire peut-être, mais je crois que oui aussi. Voilà. Je vous remercie.